pour le coup ça part dans tous les sens les gars. Oh j'en ai plus rien à faire de ça, c'est vraiment naze. Là ça redescend encore. Ok, c'est pas important. Ça part dans tous les sens, on est tombé sur un truc de fou. Alors. Non ça va, c'est que des cul-de-sac mais enfin quand même. J'ai deux blaze rods, c'est sympa. Ah même pour les ender eye aussi c'est ça. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure mais... Oh là là, il est très très grand. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça c'est cool au moins, c'est qu'il est quand même vachement grand. Ah merde, je suis con. Oh, une épée en pierre. On va en profiter qu'il y ait des blazes dans le coin. J'ai vu qu'il spawnait ici donc bon. On en profite. Ça me fait grave flipper. Oh regardez-le. L'ambiance elle est grave flippante quand même. Allez dégage. Eh je vais avoir une tête de wizard à la fin, je vous le dis. Hein. Heureusement qu'on a les boucliers. Hein. Ah mais il y a beaucoup trop de wizards. Hein. Allez, venez les cocos. Oh, mais vous avez vu tout ce monde? Bon, ouais, c'est bon. Franchement, on a ce qu'il faut. Hein. On a eu ce qu'on voulait. Hein. Franchement, les gars, rien ne nous empêchera de revenir. Ça, je vous le dis clairement. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Je sais pas d'où je viens. Si je viens de là. Il y a encore beaucoup à voir. Je suis complètement perdu. C'est bon, il faut descendre par là. Voilà, très bien. Allez, on remballe. Oh, il y a un magma. Attendez. Ce serait dommage de pas se le faire. Attendez, les gars. Ce serait vraiment dommage de pas se le faire. Eh, mon pote. Comme ça, on peut se faire encore des magmas en plus. Oh. Ce serait dommage de mourir, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh! Je l'ai eu. Il m'a rien looté par contre. Eux ils m'ont looté, c'est bien. Bon, on s'en sort pas si mal. Faudra juste réussir à rentrer. Ça c'est encore une autre histoire. Mais au moins... On a notre brewing stand, on a également nos fire resistance, on a la nether wart, on a tout ce qu'il nous faut pour faire des potions les gars. Alors très clairement... Frère meurt quand même. Là on est vraiment pas mal, là c'est chez nous là. Piou. Eh ben... Bon malheureusement... Alors on a eu de la chance pour cette génération de donjons. Mais malheureusement on n'a pas eu de chance au niveau de la génération du nether en elle-même. C'est-à-dire que bon c'est sympa, mais c'est pas des petits coins safe pour s'installer tu vois. Et c'est pas très joli. Et au tout début là où on va retourner, c'est joli, on pourrait s'y installer. Mais c'est pas safe du tout. Mais ça c'est à cause des chiens. S'il n'y avait pas les chiens... S'il n'y avait pas les chiens ce serait nickel. Là je sais pas où je vais, c'est pas de là que je viens mais bon. C'est très bien aussi. Je vais en profiter pour faire du troc. C'est pas de là que je viens. Mais ça me rejoint au même endroit, d'accord, ok. Ça va être la misère. Oh. Encore. Je vais jeter ça. Fire charge, sérieusement. Par contre, il s'en fout de là, mon... Ah, il aime pas quand c'est stacké. Tenez, servez-vous. Fire charge, on peut faire quoi avec ça? La charred nether brick. Ça vient de quark, je sais pas à quoi ça sert. Du cuir. Et on va adopter un loup aujourd'hui aussi. On va adopter les chiens là-bas. Ok, des ficelles. Oui. Dégage. Fire résistance. Génial. Oh, vous régalez les gars. Oui. Oui. Oh, il régale. Il régale de ouf. Ok. Bah du coup, vous savez quoi? Je vais préparer la potion de fire résistance.
Parce que pour adopter les chiens, faut faire comme ça. Et comme j'ai 23 charbons, c'est parfait. Ok, ouais, on est bien là où je pensais. Donc là, on va être dans la sauce. Ouais, vous voyez, je viens d'en haut là. On voit les blocs de cobble. Et en fait, c'est sympa ici, tu vois, pour s'installer. Vous en pensez quoi? C'est juste que c'est pas safe. Bon, là, visiblement, ça a l'air safe. C'est vrai, ça? Pourquoi y'a pas de loup? Ah si, on a là. Attends, je vais t'adopter, gros. Je vais t'adopter. Me fais pas de mal. Ok, j'ai la fire résistance. Alors déjà, est-ce qu'il va me faire du mal? Bah, il peut rien me faire. Il peut rien me faire. Et par contre, moi, regarde. Allez. Yes! Et voilà mon loup. J'ai un petit loup, best friend forever. Du coup, il va... Est-ce qu'il va attaquer les méchants loups, tiens? Ça, c'est la question que je me pose, on va voir. Ouh, il est pas content. Et je peux l'asseoir à tout moment, regardez comme il est mignon. Et du coup, si je l'assois sur un four, le four, il cuira plus rapidement. Et en fait, là, il y a déjà des torches. Ah, on vient de là. Mais en fait, regardez comment ça a l'air tout safe d'un coup. Les premières fois qu'on est venu, c'était pas safe du tout. Regardez, il y a presque personne. Eh les gars, il y a presque personne. Mais c'est fou. Regardez, j'ai juste envie de construire une maison là, quoi. Ah, ça donne envie de réfléchir quand même. Bah là, les gars, on va en profiter pour se balader. En plus, on a la fire résistance, donc bon. Je peux même aller dans le feu. Ah ouais, c'est quand même bien. Bon, c'est pas très agréable à voir. Alors lui, il va m'attaquer ou pas? Ouais, lui, il va m'attaquer. Et le loup, il va faire quoi? Il est où, mon loup? C'est mon loup, ça? Non, ça, c'est pas le mien, ça. Bon, ils essayent de m'attaquer, mais ça marche pas. Mais il est où, mon loup, à moi? Eh bé? Mais il est où, le mien? Bon, j'ai déjà perdu mon loup, visiblement. C'est éclaté au sol. Vas-y, j'essaye. Bah, j'ai plus de charbon pour les adopter. Si je bute lui et que je réessaye. Ah bah voilà, un nouveau loup. Je sais pas où est passé l'autre. C'est très bizarre. Regardez, on va faire un test. Viens voir, mon pote. Ah bah mes deux, ils sont là, regardez. Voilà, et bah qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'attaquer ou pas? Ah non. Ils sont tous potes. Ah si, ça y est, ils s'attaquent du coup. Quand je les tape. Je fais gaffe à pas tuer les miens. Ça c'est à moi. Et ça c'est à moi. Ok. Les deux ils sont à moi. Bon bah voilà. Et ben, non mais regardez, ça donne envie de s'installer ici en vrai. Hein. En vrai c'est sympa. C'est pas... Avec une petite fire résistance c'est safe. Par contre il me reste 30 secondes. Et il faut que je descende là. Bah parfait. Regardez, c'est ma faille. C'est ça. Parfait. Et visiblement, il spawn pas là où il y a des torches. Donc j'avais quand même raison. Si on éclaire bien le nether, ce sera safe. Bon bah je suis content d'avoir découvert ça les amis. On va retourner dans le monde normal. Normalement ils vont me suivre et ils vont pas mourir. Et ils vont être très gentils si je dis pas de bêtises. On va voir s'ils vont me suivre. On va passer par la machine à bambou. Ah. Eh ben, j'ai pas l'impression qu'ils m'ont suivi. j'ai pas l'impression qu'il m'ait suivi. Alors je suis assez curieux, j'ai quand même envie de savoir. Est-ce que ils sont encore de l'autre côté du portail? Et je pense qu'il faut les faire traverser le portail à mon avis. Faut qu'on regarde ça. Regardez, ils sont là. Mes amis pour la vie. Alors regardez, venez, suivez-moi. Venez. Venez. Allez, venez. Allez. Ah, ils veulent déjà pas me suivre. C'est des toutous rebelles. Hein. Bon, attendez, c'est pas grave. On va faire ça autrement. Regarde, toi, tu vas t'asseoir. Et tu vas venir avec moi. Et j'en garde un dans le nether. Voilà, viens par là. Et ben voilà, il est passé à travers. L'autre, je laisse ici. Sagement en train de m'attendre. Et là, normalement, lui, il va me suivre. Et ben voilà! Eh ben c'est pas stylé ça? C'est génial. C'est génial. Tiens là je pourrais lui faire un faux... Eh regardez ici je pourrais lui faire un faux nether. Genre avec des blocs du... Oh ce serait grave une bonne idée.
Genre un... une superbe niche, mais pour lui. Genre en mode nether, avec du feu, avec des fours aussi pour que ça chauffe vite et tout. Oh, c'est grave une bonne idée. Oh, c'est grave une bonne idée, les amis. Dites-moi si ça vous plaît, cette idée. Et puis voilà, je crois qu'on est vraiment, vraiment pas mal. Et on va commencer ça, j'ai envie de le faire maintenant. Parce que je pense que du coup, ce sera deux épisodes coupés en deux, vous l'aurez remarqué. Vu le temps que j'ai pris à faire tout ça. Donc on va, voilà, pour encore 5 petites minutes d'épisode, on va commencer ça. On va faire comme sur Madventure saison 1, un faux nether, mais du coup, lui, il sera exprès pour lui. Oh, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, vous inquiétez pas, c'est la grotte juste à côté. Ouais, c'est par où qu'on monte. Ah bah, c'est dans cette grotte que j'ai trouvé du diamant. Enfin, j'ai continué par là-bas et tout, j'ai fait des galeries qui redescendent. Pas du tout, je crois que je dis des bêtises. Non, peut-être pas. Parce que de toute façon, toutes les grottes se relient, c'est incroyable. Non, là, c'est un cul-de-sac, mais si on creuse ici... Non, c'est les escaliers, là. J'ai rien dit, c'est pas du tout ici, c'est bien plus bas. Pff. Allez, on rebouche. Quel fail. Je sais pas comment j'ai fait. Alors, bonjour. Hop, la netherrack. Bon, j'en ai pas énormément non plus. On va pouvoir se faire l'alambic aussi. Et tu vois, ici, on va faire un champ de netherwart aussi, du coup. Ça va être bien, bien pratique. Voilà, reste ici, bouge pas. Oh, il est mignon, regardez comme il est mignon. du coup, on va tout de suite faire ça. Un petit champ de soul sand qu'on va placer, je pense, ici. On va rester dans la même lignée. Bon, la grotte d'en dessous, on s'en fout, vous inquiétez pas. Voilà, ça suffira. Et là, on va reboucher. Ça sert à rien qu'on aille plus loin. Voilà. Ça va être bien mignon, bien sympa. Je vais déjà pouvoir refaire planter de la netherwart. Voilà. Ah, j'ai des bonnes idées quand même, hein, les amis. Ah, je suis content, je suis refait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette série aussi. C'est parce que des trucs sympas, quoi. Que de l'improvise. Faudra mettre de la nether brick aussi, etc. Vous inquiétez pas, on va s'arranger. Voilà. J'en ai en plus de la nether brick, wesh. Je viens de capter, j'avais pas fait le lien. Là par contre ça ferait con. Bon, c'est pas grave. On va faire ça de manière un peu aléatoire. Et le reste, la stone, ce sera de la netherrack. Voilà. Là aussi. Là aussi. Et puis voilà, globalement. C'est pas trop mal là comme ça. Tout le reste ce sera de la netherrack, voilà, et puis on mettra du feu, etc. L'alambic, etc. Ah tiens, hop, ça, très important. Genre, voilà. Hop, je récupère ça parce que j'en ai encore en rab. Voilà. Puis je dois avoir encore dans les coffres de la netherrack, c'est possible, on verra. En tout cas, voilà, on va se faire l'alambic. Boum, la brewing stand. Pour le moment, je vais la placer ici, à même le sol. L'obsidienne, j'ai une obsidienne sur moi. Alors ça pourrait être utile pour plein de choses. Hein. Après l'obsidienne, c'est facile à miner, hein, finalement. Obsidienne pressure plate. Mais j'ai envie de la placer dans le sol. Genre... ouais non, c'est une mauvaise idée, on s'en fout. Mais je mettrais de la lave et tout. Mais en fait, je réfléchis à tout ce qu'on pourrait mettre, ce qu'on pourrait faire, etc. Genre en vrai, là, tous les trous que je suis en train de faire, je me dis, on peut mettre de la cobble. Et dans le nether, il y a de la cobble. On est bien d'accord. Du gravier aussi. Oh les gars, bien sûr, du gravier. Du gravier, mais j'en avais du gravier. Ah, j'ai jeté le gravier. C'est pas grave, j'ai rien dans le backpack, non. Voilà. Je regarde juste d'ici comment ça fait. Ouais, là ça fait un peu, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, remarque, peut-être pas. Au pire, je décore tout le mur et comme ça, ça fait pas trop bizarre en vrai. On verra comment on fera. En tout cas, voilà, toi t'es bien ici. C'est l'essentiel. Je vais mettre... bah du coup j'ai pas de seau de lave. Mais j'ai un briquet. Je sais que j'ai un briquet d'ailleurs, attendez. Non. Ah là j'ai un briquet. L'or je vais pouvoir mettre là aussi. Voilà. Et d'ailleurs pour l'expérience, attendez, on va faire l'expérience. Je vous ai dit avec le four et tout. Il me semble en plus, ça tombe bien, regardez les amis, tout était prévu, j'ai un four ici. Qu'est-ce que je peux faire chauffer? Putain, j'ai de la nourriture ici, sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut faire chauffer? Bah, normalement j'ai des œufs. Voilà, regardez les œufs. Regardez bien ce qui va se passer. Il faut du charbon, mais du charbon... Bah oui, là j'en ai.
Voilà. Regardez bien ce qui va se passer, ça va être assez incroyable. C'est moi, il y a du feu qui s'est créé là. Bon, peu importe. Je vais mettre le four ici. Je vais mettre du charbon. Et je vais faire cuire un seul œuf. Regardez le temps que ça va prendre. Hop! Alors regardez bien le temps que ça prend de manière traditionnelle. Ça prend le temps qu'il faut que ça prenne, voilà, j'ai pas compté. Et voilà, c'est fini. Seulement maintenant, voilà. Et ben maintenant, monsieur, viens voir. Viens voir. Alors je sais pas comment je vais faire pour te monter dessus. Est-ce que, comme c'est chaud, il va peut-être monter de lui-même? Il va pas dans le feu. Ah bah il aime bien le feu. Oui, les chiens, ils aiment se poser dans les endroits chauds. Alors ça, c'est pas... Si j'enlève le feu, je suis sûr il va s'enlever. Non, je sais pas. Allez, regarde, vas-y. Allez, mon pote. Oh là là, il aime bien chercher la chaleur. Hein. Oh non, attends. Tombe pas. Hein. Oh, ce serait con qu'il tombe. Ouais, comment je peux faire pour le faire monter dessus? Je crois que je vais pas pouvoir faire comme je veux faire. Alors, attendez. C'est pas grave. On s'arrange. Voilà. Attends, je vais juste récupérer ça. Voilà, viens voir, monsieur. Arrête. Voilà. Et en plus, il y va de lui-même. Là il va sur le four. Là j'y mets le charbon et regardez l'œuf. Ah oui, ça va quand même un petit peu plus vite. Voilà, là il en serait à la moitié. Voilà, ça va un petit peu plus vite. Donc c'est bien sympa. Si jamais on veut faire cuire des trucs en speed, en vrai c'est pas non plus ouf. Mais voilà, vous voyez à peu près le délire. Et là regardez, il a l'air bien mignon, mais il est bien sympa là. Hop, tap, petit screenshot. C'est mignon, on dirait un panda. Il est comme un panda en fait. Tout simplement. Ah c'est marrant. Bon bah en tout cas les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Enfin pour ces deux épisodes qui se sont donc succédés. J'espère que ça vous a plu. C'était pas vraiment prévu que ça se passe comme ça, que ce soit coupé en deux, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a pas trop dérangé ou pas. Il n'y a pas eu d'outro du coup dans le dernier épisode, ni d'intro à celui-ci, mais voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez quand même pas à me le dire en commentaire, ça me permettra de savoir, pardon, si ça peut être aussi intéressant que je fasse régulièrement comme ça, si jamais. Et puis voilà, nous on s'en arrête là. N'oubliez pas le pouce bleu sur cet épisode et sur le dernier, bien évidemment. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et pour de prochains épisodes. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao ciao tout le monde. Hop là, le caillou dans la tête.